Bonjour à tous. Bonjour. Ça y est, ça vient d'arriver, le massage hawaïen en formation. Donc vous nous l'avez demandé, et ben on l'a fait. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler du massage hawaïen. Alors avant de parler du massage hawaïen, on va quand même parler de ses origines. Oui, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que ce Et puis massage. le fait qu'il s'appelle le Lumi Lumi. Oui, alors ça, on dit Lumi Lumi, il y en a qui disent Lumi Lumi. Lumi. C'est vrai qu'on entend aussi souvent quand même plutôt massage hawaïen. Donc c'est un massage qui est assez ancien, qui se pratiquait donc à Hawaï par les indigènes polynésiens en fait. Et c'est vraiment une technique qui était aux origines plutôt pratiquée par des maîtres guérisseurs qui recherchaient à créer l'harmonie en fait des quatre éléments pour faciliter le passage entre les différentes phases de la vie chez les personnes qui allaient bénéficier de ce massage. Alors c'est Moi, c'est mon massage préféré à recevoir. Je sais. Je le dis à chaque fois hein, qu'on en parle, mais moi, c'est top. Je le trouve top. Et ce qui est assez amusant, c'est que si on va dans les histoires d'un certain nombre de massages, il n'y a pas que sur Hawaï où on se faisait masser au moment tu sais, des changements de vie ou des décisions Oui, importantes ah de vie. oui. On le retrouve dans le massage balinais, donc c'est aussi beaucoup comme ça à Bali. On le retrouvait aussi dans le massage indien. Je pense qu'on avait vraiment conscience que le massage permettait de s'apaiser, en fait, et peut-être après de De prendre. passer à autre chose. Ouais, ou de prendre des décisions plus Ah sereinement, ou je sais oui. pas quoi. Mais voilà, c'est pas le seul endroit où il y avait cette logique-là vraiment en termes de massage. Donc ces guérisseurs traditionnels qui l'utilisaient dans leur pratique. Donc ensuite, on transmet toutes ces techniques, comme toujours, de génération en génération. Donc l'omi, ça veut dire masser, ça veut dire frotter, presser, pétrir, caresser. Enfin, c'est vraiment, on retrouve complètement les gestes en fait du toucher. Et c'est une technique de massage qui est basée sur la philosophie hawaïenne qu'on appelle Luna, j'espère que je le dis bien, où tout. Luna, L apostrophe HUNA. N-A, voilà, tout Ouais, à c'est fait. Una ou Una en Alors, fait. je pense que c'est même la philosophie hawaïenne du Una, tu Ouais, vois, donc c'est ouais. même pas de Luna, c'est du Una, qui D'accord. dit que tout dans l'univers recherche harmonie, amour et équilibre, en Oh bah fait. c'est pour ça que j'aime ça. Oui, bah c'est un bon C'est pour ça que massage, je hein, l'aime ce c'est massage. un massage qui se travaille avec les éléments, en fait. Donc on dit que ce fameux Lomi Lomi, il est considéré comme une prière qu'on exprime du coup par des mouvements très fluides, hein, c'est des techniques très particulières, pour rétablir l'équilibre du corps et de l'âme. D'accord. D'accord, donc on retrouve vraiment voilà cette logique de dualité corps-esprit, corps-âme que le massage en fait va permettre. Et en hawaïen, quand on répète, soit Le mot, voilà, ouais. quand on dit deux fois en fait, c'est pour y mettre une intensité et une importance Donc, particulière. l'oumi-loumi ou l'oumi-loumi, C'est c'est ça. volontaire, quoi. C'est C'est ça, pas. c'est pas fait exprès, on s'est pas trompé, c'est-à-dire que c'est pas que un petit peu, mais c'est tout l'effet en fait vraiment du massage. Donc après, si on reste sur la tradition, il était plutôt exécuté sur une espèce de natte d'herbe, tu vois, un Oui. peu à l'ancienne, qui était tissée, qui était tressée, etc. On n'a jamais été à Hawaï, peut-être qu'ils le font Peut-être encore qu'ils le comme font ça encore comme là-bas. ça, Ouais. très certainement. D'ailleurs, j'imagine si on le reçoit de manière classique. Maintenant, il se fait aussi beaucoup sur Oui, table, sur table, ouais. avec. Sans drap de C'est la massage. particularité de ce massage, c'est que Ouais. normalement il se fait sans drap de massage, puisque ce sont des gestes un peu particuliers qui vont passer et en dessous et au-dessus en fait. C'est-à-dire qu'on va être capable de passer sur le massé et sous le massé en même temps. Donc s'il y a un drap, ça bloque, ça Ouais. frotte et du coup Alors c'est par un contre peu. là, votre table elle va être pleine d'huile, Oui, ça hein, c'est parce que la vous allez limite. avoir le bras plein d'huile qui va s'engager sous le corps du massé, qui va effectivement masser la partie que l'on touche, mais qui va mettre de l'huile aussi forcément sur le sky C'est ça. sur le revêtement de la table de massage. Alors ces gestes de dessus-dessous, ils sont extrêmement techniques. C'est plutôt du massage hawaïen avancé. Oui. Dans celui qu'on propose en vidéo, voilà, c'est un massage qui se travaille essentiellement En avec les vidéo et en avant-bras. présentiel, c'est le Voilà, en mix. vidéo ou en présentiel, on a les gestes vraiment les premiers gestes du Lumi Lumi. Mais du coup, on utilisera une petite vidéo pour les membres pour venir au fur et à mesure rajouter quelques gestes comme ça, Ah, sans d'accord. drap, Donc en les dessus-dessous. membres, Voilà, ça sera hein, réservé aux membres. voilà, Ça, voilà. vous aurez quelques petits détails supplémentaires. Voilà, comment justement rajouter ensuite tous ces passages un peu sans drap dessus-dessous.
Voilà. Donc c'est un massage qui va durer une heure généralement, si on veut rester vraiment dans l'esprit, qui est donc une préparation au rituel de transition de vie. D'accord. D'accord. Il se passe un truc dans ma vie. Mais justement, il y a un esprit Aloha. Bah oui, Aloha quand même, qui est l'esprit, on va dire, la Polynésie. Donc il fait partie vraiment de manière assez complète, on va dire, de ce massage. Et il signifie en fait partage joyeux de l'énergie dans la vie, dans le présent en fait. Donc ça veut dire que autant le autant le masseur que le massé doivent se sentir bien pendant toute la durée du massage. Il y a une forme de connexion en fait. Alors, si on remonte dans les temps très anciens. Où il n'y avait pas encore l'écriture, on se transmettait pas les choses comme ça, et ben ce fameux oula et les chants, ça a joué un rôle important dans la transmission justement de la généalogie, de la mythologie, etc., de la culture d'Hawaï. Et c'est ce qu'on doit retrouver aussi un petit peu du coup dans le massage. Dans ce massage en fait. Donc chaque mouvement, chaque geste, chaque déhanchement racontait une histoire. On retrouve un petit peu cette logique, on croise beaucoup les jambes. C'est un massage qui est assez dansé en fait, c'est vraiment sa particularité. Oui, on passe d'un pied sur l'autre. C'est ça. En fait, ce massage, de par le mouvement corporel et cette fameuse, on dit danse du coup, oula, fait que on va garder un massage bien fluide, tu vois, bien fluide et en même temps garder sa qualité énergétique puisqu'on est dans le mouvement. L'énergie, c'est le mouvement. Hein. Dès qu'on s'arrête, on sait bien que l'énergie va plus stagner. Et du coup, ça permet, comme c'est aussi un massage énergétique, d'éliminer un petit peu tous les blocages éventuels qu'on pourrait retrouver chez le massé. Parce que c'est en plus massage avec les avant-bras, donc on ne sait pas trop ce qui... C'est ça. Vous savez pas trop ce qui vous masse, en fait. Hein. D'habitude, la main, on la reconnaît sur son corps. Mais l'avant-bras, qui est en plus une partie du corps qui est très douce et moelleuse, donc quand on a ça qui glisse sur le corps... Moi, c'est vraiment mon massage préféré. Mais c'est vrai que la particularité, donc, c'est qu'on travaille avec tout l'avant-bras, et du coup, et de l'avant-bras jusqu'à la main, donc ça donne vraiment l'impression de très grands gestes, très enveloppants, etc. Et Lumi Lumi, on l'a aussi retrouvé, des fois, quand moi j'ai fait mes recherches, traduit par le massage des mains d'amour, ce qu'elle trouve assez joli, parce que l'impression pour le masser, c'est presque qu'il y a plusieurs personnes en même temps. Oui. Parce qu'on sent et l'avant-bras et la main, et à un moment, on ne sait plus trop ce qui nous masse, en fait. Donc voilà, il a ce côté vraiment du coup très agréable à recevoir par rapport à ça. On va avoir recours à ce massage pour relâcher des tensions, pour relâcher des blocages, pour restaurer un état général de bien-être, et puis quelque part pour booster un peu, et ça c'est le principe de toutes ces médecines un peu naturelles, le pouvoir de guérison du corps, puisque le corps a un pouvoir d'auto-guérison en fait. Donc vraiment l'idée c'est à la fin du massage, on doit sentir un sentiment d'équilibre, un sentiment d'harmonie, etc. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on ressent, hein. C'est ce qui fait que du coup, on trouve ça plutôt généralement assez agréable en fait. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler des bienfaits de ce massage. Oui, alors c'est un massage auquel on prête différents bienfaits, mais le principal, il est énergétique. Son intérêt, ça va être d'éliminer les blocages du flux naturel de l'énergie dans le corps. D'accord. On va retrouver d'ailleurs... Donc il est apparenté à d'autres... À d'autres techniques En fait, il a la même philosophie que la médecine traditionnelle chinoise, où on va venir travailler les méridiens par l'acupuncture, faire circuler l'énergie. C'est exactement la même chose. Les Polynésiens, ils pensent que tous les blocages énergétiques dans le corps contribuent aux problèmes de santé physique, en fait, émotionnelle, mentale. Tout n'est qu'histoire, en fait, d'énergie. Donc, ils sont vraiment sur la même logique. Donc, il va vraiment d'abord servir à ça. Et donc, il est particulièrement adapté pour quoi, là? Après, on va retrouver les mêmes effets un peu que tous les massages, donc les douleurs, hein, toutes les douleurs un peu de dos, d'épaule, de nuque, toutes les effets gestion du stress, par exemple. Il est assez dynamique, donc il va avoir des effets un peu circulatoires, etc. En fait, on retrouve un peu tous les bienfaits classiques, on va dire, d'un massage. On sait très bien que quand on se fait masser, on retrouve une meilleure immunité, par exemple, c'est prouvé. Alors après, vous savez que moi, j'aime pas toujours aller sur les effets, on va dire, physiologiques, parce que je trouve que c'est pas toujours bien vendu, mais bien évidemment, il va dénouer les tensions musculaires. Mais c'est vrai que son gros intérêt, c'est d'une part énergétique, et puis surtout par la grande détente qui va permettre. Il est super, ce massage. Voilà, c'est vraiment à faire comme à recevoir. C'est ça. C'est que c'est une grande déconnexion. Souvent, on met une musique hawaïenne en plus là-dessus, etc. On voyage pendant le massage. C'est vraiment super. Donc, on ressort de ce massage bien. Ouais. Détendu, mais même un peu joyeux. Il y a une joie de vivre, voilà, un dynamisme. C'est ça.
une harmonie un petit peu. On sent que tout a été harmonisé, en fait. C'est vrai. Donc, c'est vraiment voilà, l'intérêt de ce massage, on va dire, d'une manière générale, c'est qu'il permet voilà, de se sentir vraiment bien à la fin. Voilà. Après, pour le masseur, c'est aussi un massage qui est intéressant parce que techniquement, il se travaille différemment. Ah oui, il est complètement différent de la plupart des massages. C'est ça, complètement. À l'huile sur table. Ouais, que ce soit en mouvement de corps, que ce soit en mouvement de massage, que ce soit dans l'enchaînement des massages, on ne règle pas sa table pareil, on ne va pas travailler de la même manière, etc. C'est très agréable ce travail très long des avant-bras, donc il est aussi très sympa en fait à donner. Ouais. Et alors après, en plus, quand vraiment on arrive à passer sous le corps, qu'on retire le drap et qu'on vient vraiment envelopper le corps comme ça en totalité, c'est vraiment très agréable. Donc, je sens que tu l'aimes bien, ce massage. Oui, mais je l'aime bien parce qu'il est il est chouette à recevoir, il est chouette à donner, il n'est pas si connu que ça. Ouais, c'est vrai. Je le vois, nous, quand on dans nos formations, ce n'est pas celui sur lequel les gens vont en premier. Mais souvent, par contre, quand les gens le maîtrisent, voilà, les gens l'aiment bien, que ce soit les clients ou que ce soit les masseurs. Et puis, autre valeur ajoutée, c'est qu'une fois que vous avez intégré tous ces gestes avec les avant-bras, ils viennent aussi bien se mélanger dans des gestes classiques, en fait. C'est-à-dire, quand tu es en train de masser avec la main, pas d'un seul coup de faire rentrer l'avant-bras sur quelques gestes que tu as appris, du coup, par la voyance, c'est obligé. Et puis, revenir après avec la main, c'est dans les sensations, c'est aussi très sympa à travailler. Donc, moi, je l'aime bien aussi parce que je trouve qu'il se mélange bien avec les autres. Voilà. Vraiment, toutes les qualités, Je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'on avait à dire sur... sur ce massage, en fait. D'accord. Je pense que... Bah, sachant que les fêtes sont pas loin. Oui. Donc, se faire offrir une formation massage hawaïen, n'hésitez pas. Vous avez été sage toute l'année, je suis persuadé, parce que tous les gens qui sont dans le bien-être sont sages et sont gentils. Donc, faites-vous offrir une belle formation massage hawaïen en Jayati. Oui, avec plaisir. Et puis, si vous le connaissez déjà, peut-être que vous le maîtrisez, n'hésitez pas, quand vous le vendez en chèque cadeau ou quand vous en faites la promo sur votre site, à bien insister sur ce soin particulièrement adapté aux personnes confrontées à des transitions de vie un peu difficiles, éventuellement. Enfin, pas toujours difficiles, je suis un grand tournant de ma vie et du coup, je veux décider sereinement parce que ça peut être un joli cadeau à offrir à quelqu'un qui est justement dans une période de vie comme ça, un petit peu, pas difficile, mais un petit peu plus compliquée. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Ça serait sympa. Voilà, donc la formation est donc maintenant disponible sur le site anjayati.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Cochez la cloche pour avoir les notifications. Tu sais ce qu'on a oublié de dire d'important aussi, c'est que ce massage hawaïen, là, il est disponible pour les membres. Les membres, ils sont en train de l'apprendre. Oui, mais enfin, ils n'ont pas toute la formation. Ah non, il n'y a pas tout. Il n'y a pas la vidéo d'une heure, il n'y a pas les quiz, etc. Non. Mais en même temps, il y a un certain nombre de gestes qui sont aussi disponibles pour les membres. C'est clair. C'est vrai que les membres ont cet avantage-là. D'ailleurs, et si vous êtes membre, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous avez eu plaisir à faire ces gestes? Est-ce que vous le trouvez difficile? Oui, est-ce que vraiment vous voyez une vraie différence avec les autres massages, si vous en connaissez d'autres? Quels sont les retours que vous avez quand vous prodiguez ce massage? Oui, j'aime bien moi savoir toujours. Sur les clients, la famille, les amis. Voilà, pardon, je t'ai coupé, était à abonnez-vous. Donc on était à abonnez-vous, cochez la cloche pour avoir les notifications. Et partagez, n'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça fait connaître la chaîne et du coup, y a des gens qui, comme vous, s'abonnent si ça leur plaît, bien sûr. Et comme toujours, du coup, nous on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.